Écoute-moi ce son. Écoute-moi ce son. Voilà, ça veut dire bonjour en langage motard. Un message du Nexus CR. Salut Balek, es-tu déjà tombé ou fais tomber ta moto? Alors non, je suis jamais tombé, j'ai jamais eu d'accident. C'est le sbeu. Du bois. J'ai jamais tombé, donc j'ai pas eu d'accident. J'ai failli plusieurs fois. Un jour, je la lavais. Tu vois, enfin non, je la lavais pas. Je mettais du... J'engraissais la chaîne. Donc j'avais pas le truc pour lever la roue. Là. Je sais pas comment ça s'appelle, je me rappelle plus. Et donc, je l'avançais petit à petit, tu vois. Je l'avançais la moto. Je mettais un petit coup de graisse, je l'ai avancé, je mettais un coup de graisse. C'est un peu long et chiant. Et à un moment, je me retourne pour prendre la graisse, puis j'entends, tu sais, un petit... Ting. Et là, j'ai compris que c'était la béquille qui s'était repliée. Et là, je me suis retourné, la moto, elle était en train de tomber. La chemise. Elle était en train de tomber, du coup j'ai speedé, je me suis foutu devant, je l'ai eu tout sur le côté et j'ai réussi à la relever, elle n'est pas tombée. Jésus-Marie-Joseph. Donc non, sinon j'ai jamais eu de pète. J'ai un pote à moi qui a eu un pète, parce qu'on a passé à trois le permis en même temps, donc c'est pour ça que je parle d'eux un petit peu. Lui il a eu un accident, mais bon rien de grave quoi. Sauf la moto qui était un petit peu... qui avait mangé. Mais non, sinon... des frayeurs, de temps en temps, mais jamais de vraies pètes, quoi. Des fois, je me dis... Tu sais, il y a la vitesse où ça va, il y a la vitesse où c'est de la balle, et il y a la vitesse où c'est un peu trop vite pour ce que tu peux gérer, donc... voilà, après, t'apprends à doser, hein, c'est le jeu. Yannick Gaming, quel est ton but sur YouTube? Bah, je l'ai dit tout à l'heure, hein, partager... Échangez vos avis, on se marre un peu. Voilà, c'est ce que je veux. Kylian Sigé. Vas-tu faire une vidéo avec le zizi qu'on aime? Je sais pas, c'est pas prévu pour l'instant. Après, si on a l'occasion, moi je suis chaud, hein, ça me dérange pas avec n'importe qui. Ça peut être marrant, donc pourquoi pas. Donc Polo 315. Combien de kilomètres à ta moto actuelle? Je l'ai dit tout à l'heure. Et combien fais-tu de kilomètres par an? Eh ben, je l'ai eu l'année dernière. Elle avait 6000 kilomètres. Là, elle est à... J'ai déjà oublié le chiffre, mais elle est à beaucoup plus. 6-7 000 kilomètres, quoi, dans mon année, quoi. Monsieur Jus, pourquoi? Pourquoi pas? Alors, Icado. Voilà le branleur, lui, m'a bombardé de questions directement, quoi. Le mec, j'aurais pu faire toute ma FAQ avec que lui. Alors pourquoi R6, pourquoi YouTube, pourquoi la moto, pourquoi ça va. Ta gueule, tu es moche. Pourrais-tu te lécher les doigts de pied, couillasse, toi-même déjà? C'est un peu compliqué, je suis très très souple, mais je le montre pas. Quand vas-tu bouger ton petit fessier tout mignon à Dieppe? Lui, il veut me pécho, c'est sûr et certain, déjà. Non, sinon, quand j'aimerais bien faire le tour un peu des certaines villes et tout, mais là, j'ai pas le temps, j'ai pas le budget, j'ai rien du tout, quoi. J'ai un moto, mais bon, ça ne suffit pas. Donc, un jour, peut-être. Un jour. Donc, que conseillerais-tu comme moto quand t'as pas le budget pour une moto neuve? Ça, c'est pas baise. Moi, je te dis, un R6, ça... Niveau rapport qualité-prix, t'es tranquille, quoi. Y a pas de soucis, c'est une bonne moto. Moi, c'est ce que je te conseille parce que j'ai ça et que j'ai conduit que ça. Donc, merci, c'est le top. Je t'aurais bien demandé pourquoi ce pseudo, mais je pense que j'ai la réponse. Eh ben voilà, si t'as la réponse, eh ben, dis-le-moi en commentaire, puis je te dirai si c'est ça ou pas. Au moins, essayez de trouver, et puis amusez-vous, quoi.
Sinon, tu fais de bonnes vidéos. C'est un plaisir à regarder. Merci, mon pote. OMW Poto, sais-tu faire un Y? Bien sûr. Alors moi je le fais comme ça. Attends, je te montre. Comme ça, tac. Un trello. C'est comme ça. Comme ça que je le fais. Parce que si tu veux dire en moto, pas du tout, quoi. J'ai jamais levé la roue du tout. Salut l'ami, vas-tu faire un jour une vidéo en enduro? J'y vais mollo mollo. Ça, c'est un bon nom, tu vois ça? Ça, le mec, il s'est cassé la tête. Enduro, bah peut-être. Moi, j'ai mon pote, il a une crosse déjà, donc je vais peut-être un jour le tacler un petit peu pour qu'il m'emmène faire un petit tour, un petit test. Sinon, ouais, moi, je suis chaud à tout. Hein. Moi, tu m'offres une pocket bike, je vais faire de la pocket bike directement, quoi. Lakeys, tout ton équipement, t'as coûté combien? En comptant la moto. je ne sais plus du tout combien je l'ai acheté, mais j'avais fait une belle affaire. Sinon, équipement, bah, mon casque est neuf. Mes gants aussi. La veste, c'est une occasion, donc je ne l'ai pas eu trop cher. Genre, je sais plus, 70 euros, quoi. Sinon, les bottes sont neuves aussi. Et le pantalon, bah, j'en avais pas trouvé, donc j'ai dû acheter neuf aussi. Et le pantalon, ça a piqué, c'était genre 300 euros. Corentin Michel, pourquoi tu t'en bats les couilles? Pourquoi pas? Adrien Ferrier, aimes-tu les cornichons? Oui, parce qu'ils sont verts, donc j'aime bien. Comptes-tu faire une rencontre entre meuteux de ta région? Ouais, je vais essayer de vous prévoir ça, une petite rencontre abonnée dans les alentours d'Arras, et puis peut-être plus tard, un peu plus loin, enfin je verrai bien. Mais sinon, ouais, c'est prévu de faire une petite rencontre bientôt. Tu me suis sur ma page Facebook, ma page Twitter, et tu vas avoir des petites informations de temps en temps, hein, j'en dis pas plus. Ben, comptes-tu un jour faire un truc du genre circuit? Moi, pourquoi pas? Moi, tu sais, je suis ouvert à tout. Hein. Moi, tu me proposes l'enduro, je suis chaud. Du circuit, je suis chaud. Un plan à 3, je suis chaud. N'importe quoi, je suis chaud. Alors, Braze Moped. Salut, tu filmes avec quoi? Et as-tu des projets d'intro ou changer de moto? Échanger de moto. Alors déjà, je filme avec quoi? Je suis avec une GoPro Hero 3 Plus Silver. J'ai un micro Boya à l'intérieur du casque. As-tu des projets d'intro? Ouais, j'en ai, mais faut que j'ai le temps de le faire parce que mon ancienne intro, ça, apparemment, c'était pas le top. Et puis en plus, j'ai perdu le fichier, donc ça veut dire que je suis un peu ken. Échanger de moto, je l'ai déjà dit, t'as qu'à écouter, bordel. Alors, Duc d'Asphalte, quelle est ta plus grande satisfaction dans cette vie de motoblogueur ou youtubeur? Donc, bah, j'ai déjà un peu répondu, hein, c'est l'échange. L'échange avec tout le monde. Pouvoir dire ce que je veux, comme je veux, à qui je veux. Bon, enfin, pas à qui je veux, à vous tous, parce que... Pour moi, que vous soyez les 3 à regarder ou 10 millions... C'est pas mon souci, quoi. Je vais te dire ce que j'ai envie de dire, et puis voilà. Donc, de la liberté, c'est un peu ce que ça m'apporte. Sinon, c'est tout. Penses-tu continuer encore longtemps, le plus longtemps possible, dès que j'ai le temps? Parce que là, j'ai fait une pause. J'expliquerai peut-être pourquoi dans une autre vidéo. Ou penses-tu que c'est un effet de mode? Effet de mode... Comme un peu tout sur YouTube. Hein. Si tu regardes bien sur YouTube, t'as tout. Donc, effet de mode pour du motovlog, c'est possible. Hein. Je peux pas te dire. Après, il y a ceux qui s'investissent à fond. Il y a ceux qui font quand ils ont le temps. Il y a ceux qui en font une fois tous les 10 ans. Mais bon. Après, tant que tu as envie de partager, je pense que c'est ça le principal. Hein. Faut pas chercher compliqué, mode ou pas mode. Si tu as envie de le faire, fais-le. Amuse-toi, éclate-toi, et puis tu verras bien. Donc voilà ce qui termine la FAQ. C'était beaucoup de mêmes questions, beaucoup de personnes différentes. J'ai pas pu tout mettre. Vous connaissez le blabla habituel. Donc si vous avez d'autres questions, j'en referai une plus tard. Vous les balancez en dessous de la vidéo là, ou je relancerai un truc sur ma page Facebook ou mon Twitter. Donc voilà ce qui termine cette petite FAQ. Tu veux que je te l'écrive comme le Y ou pas du tout? Donc voilà, après pourquoi j'ai arrêté, je vous ferai une vidéo dessus. Et du coup, après la FAQ, je ne réponds plus à la question, c'est quoi ta moto, hein? Je vous le dis tout de suite,
c'est fini. Il n'y a plus de c'est quoi ta moto. La seule réponse que tu auras, c'est tu vas voir la FAQ et tu le sauras. Tu peux même aller juste à la fin. R6N 2010. C'est pas compliqué. voilà. Donc, sinon, je vous remercie à tous de me suivre. Ça fait super plaisir. Vous êtes au top, changez rien. Et on se revoit bientôt pour des vlogs ou des autres vidéos. On verra bien. Allez, tchuss et vers tout le monde. Et oublie pas, je te kiffe du plus profond de mon pot d'échappement.